Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Branché Info 9, c'est l'émission Chita. Attendez nouvelles, ça qui entre la caillou. Moi, c'est mettre info quelques heures à côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté. Gros et scandale à hier après-midi dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif entre président la Cour des comptes, Rogaville Boisgené, avec ministre de la République, Transport et Communication, Joaseus Nader, qui était débarqué d'après le président de la Cour des comptes, qui était débarqué avec un bon nègre armé et à gros âme dans main, cagoulé et sans uniforme police, un bon civil, donc qui pénétrait un bon espace que yo pas doué pénétrer sans yo pas invité. Alors que pour ministre travaux publics là lui-même, c'est yon ban dossier qui était gros, qui était lourd en pile et que l'ital déposé, donc li pas brûlé que dossier yo te dit qu'il y a yo qui manquait. Donc c'est dossier question compagnie et General Electric pour courant 24 sur 24 et dans cadre projet courant 24 sur 24 président Jovenel Moïse là que la Cour des comptes te retourné pour eh bien vice de forme. Donc maintenant, nous allons faire écouter déclaration président la Cour Rogaville Boisgené et nous allons faire écouter déclaration ministre de la République Transport et Communication Joaseus Nader. Il faut que nous disions c'est grâce à l'intervention Premier ministre Joseph Jout mais qui fait bagarre là pas de gâter net hier après-midi dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administrative. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, comme d'habitude, n'a prend du temps pour nous inviter ou pour nous inviter abonner ou à canal information sans force côté à de manière à ce que nous capable continuer porter bon gens information frais clair coup de le coq pour vous. Ou même qui abonné déjà nous remercier et ou même qui pourquoi abonner n'a invité ou fait ça de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publier la privée joindre nous de façon automatique. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, Jean nous annoncé au lit, t'es gagné un gros scandale public hier après-midi dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif entre président de la Cour qui c'est Rogaville Boisgené avec ministre de la République, Transport et Communication, Joaseus Nader. Donc, d'après président de la Cour, Rogaville Boisgené, eh bien, Joaseus Nader, qui est ministre de la République, eh bien, il est débarqué dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif avec un bon monde armé, civil armé, et qui est un gros âme dans le meilleur, il est encagoulé, il y a un monde qui a un visage, yo, eh bien, il a pénétré un bon espace dans la Cour sans que l'autorité dans la Cour des comptes ne pas invité rentrer dans espace si là yo. Donc faut nous dit où yo t'ap fait yo te gagné caméra et nan men yo yo t'ap fait photo yo te gagné téléphone te gagné journaliste tout te accompagné ministre Nader qui franchit espace sa yo d'après président la Cour Rogaville Boisgené qui eh ben c'est des espaces qui très sensibles qui ont une série de gros dossiers là-dedans que il a traité espace ça yo pas ta supposé gen moun gen étranger qui rentrer là-dedans sans yo pas invité au entrer. Donc parmi dossier ça yo eh bien président la Cour a fait connait gagné dossier Petro-Caribéa qui nan espace et côté eh bien ministre de la République Transport Communication lui-même était entré hier après-midi ensemble avec équipe moun armé à gros âme nan mayo qui était encagoulé qui était pénétré espace si là. Donc faut nous dire c'est grâce avec intervention Premier ministre Joseph Jout hier après-midi et que président la Cour a fait appel à lui qui était venu tout de suite et bien qui te permettre de un dénouement dans la situation qui te permettre ministre de la République Transport Communication lui-même li te quitter espace la couche paire des comptes sans bruit sans compte. Nous invitons écouter et président la Cour Rogaville Boisgené qui lui-même a expliqué version parle des événements ça qui produit dans la Cour des comptes hier après-midi. Nous déposons un contrat dans la Cour gagné plusieurs étapes. Nous gagné une réception, il y a deux réceptionnistes là-dedans, qui recevront un dossier pour accuser de réception. Les réceptionnistes ont fini pour accuser de réception, ils prennent aller.
réceptionniste là, nous continuons à faire parcours, faire cheminement pour le dossier arriver, côté pour arriver, pour le traiter. Moi-même, c'est parmi les gens qui ont dossier arrivé, dans même en dernier. Là, nous déplacons dans le garde, nous avons le ministre Nader, il a gagné plusieurs personnes avec elle, notamment des gens qui avaient caméra, avec effigie de graffiti, de effigie de TNH, de Téléguiné. Et il y a l'autre monde qui a une caméra dans les mains, qui a un téléphone, qui a fait photo, qui a fait vidéo, qui ne nous pas identifier. Il y a plusieurs personnes avec qui en civil, qui lourdement armé, et les gens qui ont cagoulé. Ils n'ont pas un uniforme la police pour dire est-ce que c'est sécurité ou bien est-ce que c'est policier qui accompagne. Moi dis, ministre, il ne faut pas faire le ça. Et l'arrivée juste dans la dernière étape, dans le bureau, madame qui est responsable service contrat. Je ne sais pas si n'importe quelle étape pour arriver là. Il y a pris photo, tout le monde qui a traité le contrat. Il y a pris photo, tout responsable qui pour analyser et traiter le contrat. Et dans la zone Zamzodzou, c'est là nous avons tout dossier sensible. Dossier Petrocaribe est entreposé là. Dossier contrat, quel que soit contrat dans les capacités dans le pays, il y a depuis le 29 de contrat entreposé là. Il a pris des images, il a pris des photos. Donc, l'aime vient dans la situation ça, et puis employé levé campé, moins obligé, le premier ministre, pour me dire premier ministre, mais qui situation qui a développé des imminents, conseil des ministres, me dit bon, au contraire, sous le conseil des ministres, ministre Nader a vu parmi les gens qui sont dans le conseil des ministres, tout. Je m'explique ça, je dis la brûlé. Effectivement, deux ou trois minutes, il dit comment la situation est, je me dis PM, moins obligé, passer service sécurité pour fermer barrière là parce que il y a monde qui commence vinn devant la cour il y a des monde là qui cagoulé qui gen zam lan mais qui pa gen uniforme la police yo prend des photos yo prend des images monde qui a travaillé dans cour ne pas connaître à qui fin et monde ça yo ça ka arriver demain matin dit me pas vinn travailler après demain dit me pas vinn travailler parce que un phénomène de sécurité qui a fait rage dans pays là automatiquement moi élonge JDP me fait JDP à venir. L'IDP a verbalisé pour des sons pour ces verbales, pour le temps d'employer mieux, pour garder côté ministre arrivé et l'IDP a gardé tout machine par une plaque. Elle garde tout, il y a des gens qui étaient cagoulés et les gens qui tapent la photo, qui tapent l'image, nous faisons l'IDP attendre tout pour nous rassurer nous que qui ça va faire avec vidéo ça, avec image ça. Et le premier ministre est venu, il parle avec moi-même, avec le conseiller et meilleur garçon qui là. Et puis ensuite, là, nous finissons d'échanger. Nous montons les machines du ministre Nader, là, par la velle. Nous avons dit qu'il s'est échangé. Après, nous avons facilité la tâche pour le ministre quitter l'espace là. Et puis, moi, je suis service de sécurité pour moi qui permet que le ministre Nader quitte l'espace là. Mais dans cette discussion, tu es à tête, tu es à premier ministre, ça que dit? Bon, le premier ministre, une fois de plus, il dit que il présente des excuses, il sait une situation qui est vraiment regrettable. Parce qu'il n'a pas souhaité, il n'a pas pensé ça arriver. Parce que dans toute institution, lui-même, tout le ministre, le premier ministre, c'est ministre et planification. Donc, c'est pour la première fois, moi-même, depuis le coup de compte, pour un ministre, a déplacé, vient faire le minimum, qui s'arrête, vient déposer dossier, porter dossier, alors qu'il y a un messager, qu'il y a un point focal, qui assure de suivre avec quoi, voire débarquer et, à l'instar de Tibobo. À l'instar de Bob Pitt, loup de Mahamé avec des mouns cagoulés, loup de Mahamé, et a franchi tout espace qui est sensible dans l'institution, sans autorisation, ni moi-même qui dirige l'institution, ni vice-président, ni au conseiller, ni chef de sécurité avec des mouns cagoulés, loup de Mahamé, à prendre des photos, à enregistrer des images. Mais président, et dernièrement, dans l'émission que tu as faite, qui est le dialogue communautaire, et le ministre t'a prêté du doigt avec la cour va réagir. Il sorti en note et te gen premier ministre qui est venu là. Jodi Nader est venu là. Et qui ça nous même comme conseil ou même comme président pour des comptes, à qui ça nous assimilé présence Nader avec Jean Vinier ou dit avec des machines sans plaque et puis des éléments cagoulés. Bon, nous même nous pas retourner sur ça qui t'est passé déjà. Te gen on rencontre nous t'es fait avec premier ministre là. Nous t'es metté nous d'accord, nous t'es échangé. Nous quittons ce qui passe derrière.
pendant qu'il a toujours été vigilant, parce que en tant que premier responsable dans le coup, moi j'ai sécurité tous les 9 conseillers qui me rassurent que ils sont en état, ils sont en sécurité, et tout ensemble employés qui travaillent dans le coup, de gardiens jusqu'à niveau directeur, moi je rassure que vous faites travail dans la tranquillité, vous faites travail sans que vous ne prenez pas de pression dans aucun monde, dans aucun groupuscule, dans aucun chapelle, sauf que nous avons demandé, et au niveau national, et au niveau international, pour prendre acte et prendre note que la Cour supérieure des comptes est dans l'œil du cyclone. Donc nous-mêmes, nous voulons rassurer nous que nous avons une institution qui a fait travail dans les limites de la loi. Nous avons comme boussole la loi et la constitution. Nous là pour nous faire travail nous sans intimidation et nous faire travail nous dans les limites de la loi. Pour le ministre de la République, lui-même qui était en tête chargée ça tout hier après-midi dans la Cour supérieure des comptes à condamnation administrative, présence qui était très mal vue dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, et bien lui-même, il fait qu'on est, je vois Snader, et bien c'est un paquet de dossiers qu'il a gagné en mail qui concernait question contrat courant avec compagnie générale électrique dans le cadre de question courant 24 sur 24, président Jovenel Moïse là, que et bien la cour a été voué tourner pour vice de forme parce que tu as une faute là-dedans, et bien l'ité est corrigé toute erreur ça que la cour a recommandation la cour a été fait, et bien l'ité porté document ça volume document ça que yon ou bien deux moun pas capable porter, il était porté ensemble avec plusieurs et bien moun qui attaché à pour question ça dans bureau là. Donc, il était voulu assurer que, eh bien, tout dossier ça a arrivé à bon port et que papa a dit qu'il a perdu encore puisque le dossier ça a retourné plusieurs fois et sorti dans la Cour des comptes pour aller dans le ministère des Travaux publics, eh bien, pour, eh bien, mauvaise formulation dans le cadre contrat ça a. Donc, nous invitons à écouter ministre des Travaux publics là, lui-même, Joaseus Nader, qui a expliqué lui-même version pâle des événements ça qui produit dans la Cour des comptes à hier après-midi. Je m'attendais que le Cour supérieure des comptes, ça fait une triste, en pile. Président, son jeune garçon, il est en conscience. Et mon coué, il même la connaît, s'il va menti, aussi par la vérité. Mais pour l'histoire et pour la vérité, mais faire. Et dossier et énergie électrique là, et contrat qui lié EDH à General Electric, qui était déposé dans la Cour supérieure des comptes, c'est retourné avec des recommandations. Et je ne sais pas en tête, mais là, combien de temps ça a duré, nous c'est de Bailly, et si on n'a pas déposé de semaine ça, nous risquons pas gain courant pour nos bailles population, j'en ai été dit là. Et je me dis, président, depuis vendredi, je me déposé, même pas capable. Et lundi encore, j'ai contrainte, et m'a dit, j'ai contrainte, et j'ai une lettre, je me demandais, PM, dans la primature là, le fait que l'année fiscale là, écoutez, c'est-à-dire fini 4 septembre, quel que soit le contrat de gros dossier ou à déposer dans la Cour supérieure des comptes, il faut l'autoriser par primature, notamment par PM. Et l'idée qui est de savoir pour moi, l'idée le jour mercredi, l'idée de me faire des bibonnets pour moi, pour me chercher. L'idée de me chercher, moi, que au lieu d'être lancé pour dévoiler ma main, l'idée de dévoiler la primature, puisque l'être là adressé à Bois-Guiné. Et à Bois-Guiné. Donc, moi, il y a un problème qui vient dans l'être là. Au lieu de gagner 18 septembre, il gagne 18 février. Et depuis que je débat contre l'être là, il a tourné contre Abano. Puisque le 18 février, je ne suis pas de co-ministre. L'aime garder moi déjà, et je connais le conseil des ministres. Mais si je vois un message, il n'y a pas de cas, ni directeur cabinet PM, ni PM. Et le meilleur, c'est que moi-même, je dis pas. Je prends ma machine avec sécurité, et puis toute l'équipe cabinet, moi, parce que le dossier en pile, faut un seul monde, deux mondes pas capoter, et voir un seul monde. Il m'a allé dans le PM, je me suis voir par mon protocole. Li. Et le protocole là, il est informé de qui présente moi. Et je rencontre un DCA hein, qui change le plan. Au lieu de 18 février, il mettait 23 septembre, date hier.
Les gardes et tout dossier tranquille, pas de dossier perdu, sous aucun prétexte, je ne pas dire que bon dossier ou pas. Je besoin de dossier à rentrer et je besoin de sortir sans dossier. Parce que même dans le ministère, je suis très susceptible, moi, de tout le monde. Et malgré à tout dossier, je suis campé dans une première étape. Mais là, moi, message, j'ai eu une lettre PMT adressée à président Bois Guinéen. Li pa jan m tourne, m descend pou m di sa k pase, pwiske mwen m bezwen tourne pou m rentre al nan konsey la. E li vini, m di m patati patata, bon m di ok, anon, ki kote pou nou depose dosye, anon okipe de sa. La ane, li kape dosye, m kape devan pot lan, mwen kite yo rentre, pase m tourne m bagen do a rentre. Par an jes de me, e sekurite ki devan, pe m rentre. M di a bon, m gen do rentre? Li di oui, m do sur, li di mini sou m rentre rentre, men ou men selman. M rentre, mon yo bien accueilli, me content ouais, me dit et j'ai ministre pas répondre téléphone, même moi dit me répondre tout téléphone tout bagage. Il dit bon bagage, me dit bon bon téléphone ça fait de connaître ça à partir de 8 me répondre mon souli, souvent message m'a pris l'eau souli pour bail, mais téléphone pas le bon là, mettre lui me répondre tout mon sous. Mais bail au téléphone me change avec moi, dit me seulement besoin que tout dossier me arrivé, guide secrétaire là qui Magali et madame Lefran Magali. Je me quitte pour contrôler le nombre de dossiers pour ne pas avoir de problème d'autre. Et puis je me dis merci en pile Mali. Je suis très content. Mais une fois que je téléphone, Mali, je suis sorti à ma grande surprise, mon président Baguine, qui a parlé à PM, qui dit maintenant des vins là, armé jusqu'au dents, viens prendre un dossier Petro Caribe. Je suis tellement saisi de Gatobi. Et ça fait pas jamais dormir tout les soirs. Nous tellement saisi, nous disons, non, président, nous ne pouvons pas faire ça. Ce n'est pas possible, ça, dit. Nous disons, non, nous ne pouvons pas faire ça. Nous pas arriver dans ce niveau ça. Il tombe par là. L'aime, mais c'est ramener la lode. Je m'entrais dans la machine. Et puis, il dit, ferme les barrières. Nous disons, quand on sort, il me dit, chauffeur, calme-vous. Et puis, il est devant. En l'autre moment, PM, il me dit, côtoyez là. Nous disons, PM, on connaît d'abord. Et je vais le bail dossier maintenant et coucher des comptes. Il dit, monsieur, dégagez au sort sinon. Il me dit, barrière, ferme. Il dit, oh, ok. Et puis, il dit, je vais le président. Il dit, merci. Là, je vais continuer. En notre moment, il me dit, la vini. Il dit, ah bon, obligé de venir. Il dit, ah bon, ministre, il y a des problèmes, il faut venir. Il vient, il me dit, je vais le dire, il passe en l'autre barrière. Il est rentré, après, pour l'autre moment, il est venu, beaucoup de monde, frappé pour le temps, dit sécurité, pipe et VPM, je suis à devant, parce que je ne suis pas pour ouvrir le porte-là. Et là, je suis là, il dit, comment il est? Il dit, ma forme, la boumé. Et puis, ils font, papa, il retire, après, VPM, il dit, ok, je vais faire ouvrir la barrière. Il ouvrit la barrière là, voici la vérité. Demandez tous les journalistes, internationaux et nationaux. Pour mener une enquête. Si samedi ou là, par exemple, qui est vrai, arrêtez-moi, mettez-moi en prison, pas même juger, c'est qu'il me fautif. Toujours dossier la couche des comptes à contentieux administratif là, t'es gagné. Journaliste Samuel Dalman, qui lui-même, c'est journaliste Radio Télé-Guinée, eh bien, qui lui-même, t'es accompagné, ministre au public, transport et communication, visiter un passage li sans que le pat averti président la cour non la cour des comptes à cotation administratif. Et bien journaliste Samuel Dalman dit l'ité est subi de gros attaques verbales avec physique nan men yon série membres nan men yon série et employés la cour des comptes à contentieux administratif. Donc Samuel Dalman dit il était obligé coopérer avec plusieurs employés la cour qui yon même demandé pour effacer vidéo il était fait en dans espace côté ministre Nader t'est passé et que yo estimé li pas doué franchi zone sa yo. Dans occasion ça faut que nous di ou t'es gagné à partir de les ministres au public transport communication t'es pénétré espace là. Eh bien, président la cour lui-même t'est senti li t'est dans insécurité, eh bien il t'est obligé faire un appel sous radio télé Zénith côté le mandé support population vinn porter le concours par rapport à intervention à
intervention et éruption souvlée rentrer ministère public là sans que le bat invité dans la Cour supérieure des comptes côté il était passé dans une série espace qui était interdit. Donc c'est comme ça tu gagné bien plusieurs dizaines et militants qui étaient déjà arrivés devant la Cour supérieure des comptes et étaient entrés dans la cour pour te constater ça qui t'a passé. Après ça, vous venez joindre tout, t'es gagné militant Douamoun, M. Pierre Espérance, qui est dans RNDDH, lui-même qui était dans l'espace Tato, côté de Devine constaté, et pour le Agil, qui s'est passé dans la Cour des comptes avec contentieux administratif. Pierre Espérance lui-même lui dit qui compréhension, qui ça comprendre de l'événement ça qui produit dans la Cour des comptes ailleurs entre deux gros autorités ça dans le pays là et ministre de la République là avec président de la Cour Rogaville Boisguené qui eux même t'ai déjà gagné un contentieux déjà côté eh bien nous songeons dans le sixième dialogue communautaire dans le palais national qui était fait dans le palais national semaine passée. Eh bien, le ministre de la République lui-même a lancé des propos mal obligeants par rapport à juge la Cour supérieure des comptes. Il a estimé qui a bloqué le dossier président de la République qui fait pays à tout, pas capable de développer. Nous invitons à écouter Pierre Espérance. Nous avons filmé des espaces qui sont très sensibles. Et dans quoi? Et ça vient de mettre employés, m'emploi et sous stress, sous pression. Et donc on dit ça, c'est inacceptable, c'est révoltant. Donc la population, il faut qu'il lève en face au pouvoir et extrême droite qui voulait fermer mes sous toutes les institutions, qui voulait mettre une dictature et en un pays. Et nous-mêmes nous condamnons à ça. Et ça, et qui fait d'une et c'est une attaque contre les citoyens des comptes. Et c'est une attaque intimidation sur employés quoi avec tout le monde pour les comptes. Donc, dans ce sens-là, et la vie du citoyen des comptes avec employés, de sous compte pouvoir. N'a pas signalé, nous toujours dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, même journée à hier. Eh bien, tu as gagné élection qui t'est faite dans la Cour pendant la journée. Côté, eh bien, même la Cour eux-mêmes, juge, yo t'ai fait élection entre eux. Côté, yo renouvelé, yo réélu, disons, yo renouvelé mandat président de la Cour qui est Rogaville Boisguené pour une année encore 2020-2021, exercice fiscal 2020-2021. Donc, il y a avec lui qui seconde comme vice-président, M. Marie-France Mondésir, qui est même élu vice-président pour même période-là, exercice fiscal 2020-2021. L'autre information, nous avons une question et information politique. Il faut que nous disions nomination de la loi et 9 membres du conseil électoral provisoire. Eh bien, président Jovenel Moïse fait, il continue à faire vague avec gros débat dans la société haïtienne, avec la classe politique. Là. Faut que nous disions que M. Sonnet Saint-Louis, qui lui-même qui est professeur droit constitutionnel, eh bien, il est qualifié de imposteur 9 membres du conseil électoral provisoire, président Jovenel Moïse, installé dans Potio et avant-hier. Donc, sans y a pas prêté serment au préalable devant la Cour supérieure, devant et la Cour cassation. Donc, M. Saint-Louis, eh bien, lui-même lui dit, président Jovenel Moïse, exposer tête li là par rapport avec action ça, lui exposer tête li, mais pour y poursuivre lui devant la haute cour justice et peut-être eh bien li eh bien confier illégalement mission à membre conseil électoral provisoire illégal ça pour que lui organiser élection dans le pays d'Haïti et en même temps tout pour que yo al fè référendum pour al refè constitution dans le pays d'Haïti.
grâce avec un support financier USAID, eh bien CSPJ qui c'est Conseil supérieur pouvoir judiciaire avec ministère de la Justice et Sécurité publique, yo pral informatiser système judiciaire dans 11 juridictions sur 18 juridictions la justice gagnée dans pays d'Haïti. Donc c'est une façon pour que yo protéger tout dossier la justice yo, mais contre catastrophe naturelle avec tout pour yo capable mais suivre dossier silayo dossier la justice yo en temps réel et ça capable permettre yo tout bien combattre les affaires et bien détention préventive prolongée avec tout une série prisonniers qui kon fin jugé et bien malgré ça yo continuer à paix et boire prison pour grand messie. Donc décision ça prend pour que yo capable gérer et prisonnier yo espace pénitentiaire yo même prisonnier qui a boire prison mais pour grand messie et en pile fois yo passer plus temps pour peine yo condamné à et bien yo ta doit passer moins temps que ça alors que yo obligé rester dans prison à cause système dans lui-même l'a mal marché. L'autre information, ça a concerné question bureau transfert dans le pays d'Haïti avec la Banque nationale de la République d'Haïti, avec banque privée. Donc, c'est concernant une grosse décision BRHT prend pour que, eh bien, yo, eh bien, tout transfert qui a sorti dans le pays étranger à partir du 1er octobre là, eh bien, tout transfert ça yo, et c'est en good yo doué toucher yo et banque yo doué remettre yo bail et bien tout monde et bien transfert ça vinn joine qui sorti à l'étranger. Donc faut que nous disons décision ça li lever plime sous dos et tout monde qui travaille tout responsable et propriétaire bureau transfert dans pays d'Haïti nous faut que nous disons mais tout bureau transfert yo par rapport à décision ça. Mais dans le pays d'Haïti, il a fait mes potio à partir date dimanche 27 septembre qui a venu là, une façon pour protester contre décision ça BRH prend pour le mettre en application à partir 1er octobre qui a venu là, si qu'il est 114-2 et disons BRH te mette dehors qui exigeait banque commerciale yo ak bureau transfert yo pour yo payer tout transfert qui sorti.